Ne soigne que les bêtes, et pourtant Dieu sait qu'il est intelligent. Le vétérinaire, mi-héros, mi-médecin de famille, écoute, comprend, guérit et parfois même sauve les animaux. Si adulte, on préfère ne pas le voir trop souvent, enfant, il nous fascine, nous fait rêver. On l'imagine parlant aux chiens, aux chats, aux chevaux, manier les bistouris, les aiguilles et les radios. Mais qu'en est-il en réalité ? Quelles sont les qualités requises pour être un bon véto ? À quoi faut-il s'attendre une fois diplômé ? Pour le savoir, rencontre avec Fabrice Fosse, vétérinaire chevronné, et Tristan de Guillaume, nouvel arrivant sur le marché.